Move. Je sais pas si t'as vu, Macron est en guerre contre Netflix et Disney. Le président veut que tous les Européens réfléchissent collectivement à une manière de concurrencer les géants high-tech américains, mais aussi les Chinois. Et pour ça, il va injecter 225 millions d'euros, soit le budget d'un Avengers. Donc il veut en plus avec des acteurs français, Iron Man, Christian Clavier, on est mal. Ah, il fait des appels Macron parce qu'il s'inspire du général de Gaulle. Mais de Gaulle, lui, il faisait des appels pour résister aux nazis. Pas pour que Stranger Things fasse moins d'audience que Plus belle la vie. Quelle belle époque. Je sais pas si t'as vu le nouvel ordi Lenovo. Après Samsung et Huawei avec leur annonce de téléphone pliable, le constructeur chinois Lenovo sort le premier ordinateur portable avec un écran qui se plie. Mais un portable, ça se plie déjà. Faut arrêter les man. Nous, on veut juste le wifi. Hein, on veut pas faire des origami. Merci. Je sais pas si t'as vu, Nekfeu sort un film. Après 2 ans et demi de silence, Nek le Fennec est de retour avec un album qui s'appelle Les Étoiles Vagabondes et qui va sortir sous la forme d'un film au cinéma. Ça sera le 6 juin et c'est un jeudi. Alors que normalement les films ils sortent le mercredi et les albums, bah ils sortent le vendredi. Donc je sais pas trop quel est le projet parce que moi-même ce que je viens de dire je n'ai pas compris. Nekfeu fait des films, PNL fait des filtres Insta et des fringues, Rihanna Bosch et LVMH, Booba fait de la boxe. C'est un bordel le parcours sup des rappeurs, y'a aucun qui a son premier choix. Tu es connecté sur Move.